Salut tout le monde, c'est Titan Game, voici aujourd'hui sur le troisième épisode sur Spider-Man. C'est parti, c'est maintenant. Alors, j'ai fait pas mal de trucs annexes, donc ouais, vous savez pas si j'ai eu plein de trucs de déverrouiller. Yuri, je suis sur l'un des chantiers de Fisk. Y'a pas mal de monde ici, mais aucun ouvrier du bâtiment a priori. D'accord, et qu'est-ce qu'ils font? Je vais essayer de voir ça. Un SMS du doc. On dirait qu'il a mis un concept de Spider Gadget en pièce jointe. Il arrête jamais. Ah, les premiers gadgets. Grâce au plan d'auto, vous pouvez désormais fabriquer la toile de choc. Maintenez Tri X pour fabriquer une toile de choc. Toile de choc débloquée. Appuyez sur X pour continuer. Débloquer de nouveaux gadgets et avec des jetons ou des pièces trouvées en mission. Vous pouvez utiliser des jetons pour améliorer chaque gadget. Gagnez des jetons en terminant des missions annexes et des activités. On peut améliorer tout. Voilà. La méthode scientifique. Je peux réellement le délai de l'ensoile et autres, c'est que c'est. Ah, je peux pas, ok. Deux réserves de lance-soie et tout. Ouais, ça abuse les gadgets. Wow! Ça pourrait bien marcher. Alors, j'arrive pas à lire. J'aurais dû prendre mes lunettes. Parfait! Ouh. Le doc serait fier. Pas mal, hein. J'arrive pas. Spider-Man est fini par gagner. On a perdu une bataille, mais pas la guerre. Je sais. Mais je me souviens quand c'était qu'un gamin et que le boss lui a... Je sais, j'aurais dû appeler avant. Il est là! C'est tellement vénère ce truc. Et pas bouger. Pouf! Pouf! Il y a des gens qui travaillent ici. Semble à Sherlock. Vous avez entendu? Pouf! Oh la vache! Dégage! Ouf! Dégage! Oh non! Vague 3. Ah oui, il y a des vagues, c'est vrai! C'est fini! Attention! La vache! Ça marche à tous les coups! Spider-Man, on a finalement arrêté 4 trafiquants d'armes dans un rayon de 3 pâtés de maison autour du chantier. Du trafic d'armes? Je vais voir ce que je peux faire pour bloquer l'approvisionnement. C'est quoi cette saleté? Tu vas me cramer! Dégoutre ça! Faire des coups de grâce, d'accord. T'aurais dû rester où tu... Et bon. Fini de rire. Merde. Ils ont appelé leurs copains. Je vais le faire. Y'en a d'autres. Bienvenue à la fête. Laissez vos chaussures à la porte, sauf si vous n'avez pas de chaussettes. Mais dans ce cas, c'est quoi votre problème? T'es foutu. Trois sur 10, allez. Sur le côté. Qui a envie de se rendre? Personne? Ah!
Ouf, c'est stylé ça. Et voilà. L'endroit est condamné, capitaine. Couvert de toile, pour être précis. Et quelqu'un a enfin signalé des coups de feu. J'ai donc pu envoyer des agents. Beau travail. Jeton de base, 2x2. Fisk a d'autres chantiers en ville. Je parie que ce sont aussi des façades. Ouvrez l'œil et faites-moi signe si vous voyez quoi que ce soit de suspect. Ok. Ok, d'accord. Si je veux trouver tous les chantiers de Fisk, il n'y a qu'une chose à faire. Je dois augmenter la précision de mon logiciel de navigation. Je devrais y arriver. En appliquant un traitement 3D à des photos de bâtiments et de monuments. Et je sais par lequel commencer. Ah, du coup, il y a un nouveau truc là de tenue aussi. On avait une nouvelle tenue. Ouh, stylé. Bouton de recherche. Tenue secret war. Libère une charge d'énergie électromagnétique étourdissant les ennemis et activant leurs armes. Ok, carrément quoi. Ça, du coup, je peux la débrouiller maintenant. Pas mal, pouvoir de tenue. Les ennemis en alerte n'appellent plus de renfort. Ouais, bon, je vais quand même garder ça. Hein. Du coup, j'ai déverrouillé ça aussi. Réduit les dégâts infligés par les balles. Ah, pas le loup. Ah, pas de loup. Je peux pas faire un plus. Ça, en vrai, c'est pas mal aussi. Voilà, parfait. Compétence. Ça, j'ai même pas fait. Vas-y. Mission, du coup. Photo d'Empire Cell Building, ok. C'est ça la mission? J'ai arrondi les angles avec le comité. Ah. Ce bon vieil Empire State Building. Ah, j'adore cette ville. Allez, une petite photo. Voilà. Ça c'est fera juste la ça, mission. Ma carte a dû se recalibrer. Ouais, bon, je pense qu'on va faire une autre parce qu'elle était quand même courte la mission. C'est Monsieur Lee. Allô? Peter, c'est Martin Lee. Je voulais te dire qu'on avait encore besoin de temps pour préparer la fête de mai. En fait, le gâteau est toujours coincé dans les embouteillages. Oh, d'accord. Vous avez qu'à me dire quand vous êtes prêt et je passerai. Excellent. À bientôt alors. Ok. Okay. J'ai un peu de temps libre. Voyons ce qui se passe en ville. Ah ouais, donc en gros là, on n'a pas vraiment de truc spécial à faire. Hein. D'accord. Nouvelle catin que j'ai vu bloquée. D'accord, ok, cool. Signaler une vente de stupéfiants en cours. Ah, ça. Agent dans la zone. Ah là, ok. De Gramercy, intervenez. On va faire ça, hein. Faut faire ça en attendant. Hein. Non, je te jure. Oh non. Boom, bitch. Bonjour, vous avez une ordonnance pour tout ça? Oh, pas lui. Vas-y, vas-y, vas-y. Peter, bonne nouvelle. Je crois que j'ai arrondi les angles avec le comité de subvention. Oh, fuck. Si l'essayage du première classe Texidor se passe bien demain, ça devrait aller. C'est fantastique, Doc. Les affaires reprennent. Provisoirement. Tant que notre petit incident ne parvient pas aux oreilles du maire. Tu seras à l'essayage. Ah, merde. Absolument. Ça va être génial. On va changer le monde, Doc. Si on ne déclenche pas de cataclysme, c'est déjà formidable. À demain, Peter. On va marquer les annales. Oh, pardon. Ok, maintenant on a quoi là, maintenant de déverrouiller. Ouah, wow, toutes les photos qu'on peut prendre. Oh là là. Beaucoup de trucs à faire maintenant hein, de déverrouiller.
Ah ouais, toutes les photos à prendre. Bon, le problème c'est qu'il n'y a plus vraiment de mission parce que la mission de prendre des photos c'était quand même un peu... Ah voilà, on peut y aller, parfait. Salut, allez. Tout est prêt pour la fête. On attend plus. Parfait. Cool, je me mets en route. Allez, on va faire ça. Ça devrait être bon là pour en termes de mission après. Je sais que j'en faisais que deux, mais la deuxième était vraiment courte. On va faire une troisième. Là, ce sera mieux. Oui, si, j'ai déjà vu un aspect anti du jeu, donc je sais à peu près comment attendre, même si ça fait longtemps. Très longtemps même. Bon, où j'ai mis mon sac? Là. Mais l'utilité du jeu encore ça va, hein. Franchement c'est pas dur du tout. Monsieur Lee doit être en cuisine, en train de préparer la fête. C'est pour mon chien. Salut Peter. Salut, la partie se passe bien? À ton avis, je gagne bien sûr. Il commence à devenir sénile, Pete. Je suis en train de l'écraser. Oh, le plus important, c'est de s'amuser. Je m'amuse comme une gamine à lui botter les fesses. Dans tes rêves, vieille folle. Parti, Pete. On joue pour des cacahuètes. Non, non, non. Merci. C'est pas trop mon truc. Truc là ? Ah, j'ai cru. Non, c'est là-bas, ok. Ah, Peter. Comment ça va ? Non, je fais que passer. Ah, voilà. Ah, Martin, désolé pour le retard. Non, tu tombes à pic. Essaie de l'occuper pendant qu'on prépare la surprise. Pas de problème. Hé, mais c'est ma tante préférée. Peter, ça pour une surprise. Je peux t'aider? Oui, si tu veux. Oh, et il y a des boîtes très lourdes. Non, 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 pardon, je voulais dire un peu plus tard. En fait, je suis venu pour j'avais seulement besoin de parler. D'accord. Très bien. Peter, tu as des problèmes? Tu as besoin d'argent? Enfin, je suis un peu en retard sur mon loyer, mais... Non, 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 ça va. Encore des problèmes de cœur, c'est ça? Quoi? Non, 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 pas du tout. J'aimerais tellement que ça marche entre MJ et toi, c'est une fille très bien. Je sais, mais... Et tous les deux, vous feriez de si beaux bébés. Peter. Que se passe-t-il? Oh boy. Allez, dis-moi tout. Toutes ces dernières années, tu m'as aidé dans mes études tout en travaillant ici. T'as fait tellement de sacrifices et sans contrepartie. J'aimerais qu'il y ait plus de gens comme toi dans le monde. Il a raison. Il y a 5 ans, vous êtes arrivé ici en disant admirer ma détermination à aider les autres. Aujourd'hui, c'est à mon tour de vous admirer. Merci, May, pour tout. À ces 5 années et à celles à venir. Gâteau, marcher gâteau. Et t'as mangé, j'ai encore faim. Merci encore d'avoir préparé tout ça. Ah, j'aurais aimé pouvoir faire plus. Eh bien, tante même a toujours dit que sauver une personne... C'est sauver tout le monde. On devrait peut-être envoyer May à l'hôtel de ville pour discuter avec le maire. Oh, il faut que je file. Merci encore pour la fête et le reste. Ça compte vraiment beaucoup. Encore une fois, c'était rapide, hein. Message vocal de Yuri. Ah. Je devrais l'écouter dehors. C'est le tutoriel, ça, enfin les conseils, quoi. Un peu... Ok, d'accord. Joyeux anniversaire, bon, voyons, c'était rapide, hein.
Bon, une fois, je pense qu'on va encore en faire une. Hein. Message vocal de Yuri. Hé, alarme silencieuse à la salle d'enchères où se déroule la vente des biens de Fisk. Vous pouvez jeter un œil ? Discrètement. Je ne veux pas faire de bruit pour rien. Les biens de Fisk ? Génial ! Je me demandais ce que le Kingpin cachait dans ses placards. Je pense qu'après celle-là, on va rater pour le troisième. Hein. À toutes les patrouilles, enlèvement signalé. À tous les agents dans la zone. Bon, on est quoi là? On est à 20 minutes déjà? En vrai, ça va, on a le temps. Peter, je ne t'ai pas vu quitter la fête. Ouais, j'ai dû filer au labo. Désolé. Ne t'excuse pas. Je voulais seulement te dire à quel point t'es bon, compté pour moi. Je me demande toujours si je fais ce qu'il faut pour toi. Oh, arrête, donc, mais... Après avoir perdu mes parents et mon oncle Ben, tellement de fois où j'aurais craqué si tu n'avais pas été là. Eh bien, c'est valable dans les deux sens, Peter. Je tenais juste à ce que tu le saches. Mais je... Je sais pas quoi te dire. Oh, je crois que Monsieur Lee a besoin de mon aide. Je dois y aller. À plus tard, mon chéri. Je t'aime. Moi aussi. Yuri a dit discrètement. Mieux vaut passer par derrière. Ouais, ici. Ça va, là, on a qu'à 20 minutes, on a le temps. Je commence à perdre patience. Où est le dossier? Il y a une autre personne. Elle a dû le prendre. Ces masques, qui sont ces types? Il n'y a personne d'autre que nous ici. Nous trouverons le dossier. Ou vous mourrez. Ça craint. S'il me repère, ils la tueront. Je dois agir en silence. Ouais, pas évident. Yuri, l'alarme silencieuse se confirme. Des hommes masqués, armés et une otage. On a un braquage en cours. Bien reçu. J'envoie des unités. En attendant, empêchez la situation de s'aggraver. D'accord. On reste discret. Mieux vaut ne pas alerter les autres. Faut que je mette des toiles sur un endroit. Ah oui, là. Ah. Hop là! Ils ont l'air si mignons en micro comme ça. Je devrais le piéger d'en haut. Bon, doucement. Sois sage maintenant. Quelqu'un approche. Ma patience a des limites. Quelqu'un d'autre est là, je le jure. C'est sûrement elle qui a le dossier. Dites-moi, où est-elle? Yanjing Zendadian. Yokaila. Dodo.
C'est quoi ça? Mais ça appartient à... Bouge pas! Mon pote, si j'avais eu un dollar à chaque fois qu'on m'a dit ça... Et voilà. Hey, Peter. MJ, qu'est-ce que tu fais ici? La même chose que toi. Je travaille, enfin... Je travaillais. Oh, je crois que c'est à toi. Oui, merci. Donc Robbie t'envoie couvrir un cambriolage pour le Bugle? En fait, techniquement, Robbie ne sait pas que je suis là. Et au début, c'était pas un cambriolage. Quoi? Je t'explique. Ah, flashback. Je peux vous aider? Bonjour, Mary Jane Watson, je suis là pour l'article sur les ventes de Fisk. Bonjour. Craig m'a dit que nous ferions ça demain. J'ai toujours aimé prendre un peu d'avance. Eh bien, je suis désolée, mais vous allez devoir revenir demain. Très bien, je comprends. Excusez-moi. Hey, Craig. Non, désolée, mais je crois qu'on va devoir trouver un autre sujet pour la une. Je sais pas trop... Un truc sur la toile expressionniste? Attendez, on devrait pouvoir faire ça aujourd'hui. Vous êtes sûr? Vous êtes là, profitant de l'occasion. Je vous remercie. Craig? Laisse tomber. Fausse alerte. Très bien, allons-y. Ah, du coup... Prenez le temps de vous familiariser avec les articles. Retrouvez-moi à la statue de Baku quand vous serez prête. D'accord. Je suis sûre que Fisk se voyait là-dedans. Un grand homme prêt à faire ce que nul autre ne ferait. Il est tellement mégalo. Oh, Fisk a ouvert Peter en deux avec ça la première fois qu'ils se sont battus. Il est venu s'écrouler dans mon jardin, à moitié. Je me rappelle quand Fisk a commencé à importer illégalement des artefacts comme ça. Il avait acheté le port pour couvrir ses arrières et licencié tout le personnel, y compris mon père. Parfois, j'ai l'impression que toute l'histoire du monde se résume à des hommes qui se déguisent et se battent. Cette image est incroyable. Il y a une telle tension entre ces deux silhouettes. Kyoto, c'est magnifique. Oh. Dites-moi quand vous voudrez commencer. Ça marche? Pourquoi Fisk a-t-il appelé ça Vanessa? Tout d'abord, la pièce maîtresse. Un Baku Kakiemon unique. Oh, magnifique. C'est un Mifune? Exact. Monsieur Fisk a un goût exceptionnel. Est-ce que vous le connaissiez avant son arrestation? Dans un cadre professionnel, oui. J'ai géré beaucoup de ses ventes. Continuons, je vous prie. Ici, cette sublime pièce illustre la technique à l'encre diluée traditionnelle Tarashikomi. Les deux Nio sont très imposants. Je comprends que Fisk aime cette pièce. C'est tout à fait son style. Il aimait la dualité. La destruction est bruyante, mais la création œuvre en silence. Vous avez remarqué des anomalies dans les ventes que vous gériez pour lui? Non. Non, bien sûr que non. Je n'ai rien remarqué. Regardez les fines incrustations dorées de ce service à terre rituel. En fait, un ami du procureur m'a dit que Fisk se servait des ventes d'art pour blanchir des biens volés. Je... Non, je ne suis au courant de rien de la sorte. Oh, je sais bien. Je me demandais simplement, maintenant qu'il est en prison, si vous aviez noté des choses bizarres. Pardon, mais je me rends compte que je n'ai plus beaucoup de temps. Et si nous prenions la photo de couverture tant qu'on le peut? Quand mon ami du bureau du procureur a su que je faisais un papier sur vous, il m'a dit qu'il connaissait votre nom. Juste la photo, d'accord? Mettez-vous là. Vous êtes sûr de ne rien avoir à dire, même de vous à moi, au sujet des activités de Fisk? Je doute que vos lecteurs s'intéressent vraiment à ce... C'est pas vrai. Attendez-là, je vous prie.
Oui. Bon, pas du tout là. Wow. Je reconnais cette statue. Il faut que je prenne une photo. Ça n'a rien à faire. C'est bon. Craig, je te rappelle. Mademoiselle, je crois qu'il est temps pour vous de partir. Oh, est-ce que je peux utiliser les toilettes? Très bien, suivez-moi. Merci. C'est vraiment un bel espace. En effet, et c'est la dernière fois que vous le voyez. Les toilettes pour dames sont sur la gauche. Faites vite. Bien sûr. Je me dépêche. Tiens, salut Craig. C'est marrant que tu m'appelles. Parce que la journaliste que tu as envoyée ne travaille clairement pas sur l'article convenu. Non, elle est ici. Il faut que j'entre dans l'arrière-salle. Si cette statue est bien ce que je crois, je pourrais tenir un scoop. Comment ça, il a eu un empêchement? Et si ce n'est pas ta journaliste, c'est qui alors? Qui est dans ma salle d'enchères? Oh mon Dieu. Non, je doute que tu puisses régler ça. Eh bien, je vais d'abord commencer par faire arrêter mademoiselle, je mène l'enquête. Et ensuite, je vais m'arranger pour te faire tomber, Craig. Oh, elle a pas l'air contente. Oui, c'est très clairement une menace. Bien sûr, Craig. C'est ça. Je ne te crois pas. Bien sûr, Craig. C'est ça. On joue à un, deux, trois soleils. Je crois pas. Je crois, ouais. Bien sûr, Craig. Peter m'a parlé de ça. Fisk s'en servait pour cacher des preuves. Pourquoi la police l'a pas pris? Je sais que cette statue s'ouvre. Mais comment? C'est le Nuo derrière eux. Sauf qu'il est différent. La statue est articulée. La pose la plus courante est la force latente. Bouche fermée, bras gauche en bas, paume droite en avant. Peut-être que ces trucs bougent. Il tient quelque chose. Attends. Elle a l'air à l'aise avec Fisk. C'est bras en bas, haut comme ça là, et tête à gauche, ok. Le catalogue mentionnait deux poses, bouche fermée, bras gauche en bas, paume droite en avant. Thank you.
étrange. Ça pourtant, non? Ah, il a la bouche ouverte. Ouh, celle-là. Ah. Bras comme ça, bras comme ça, bras comme ça, d'accord. Le catalogue mentionnait deux poses. Bouche fermée, bras gauche en bas, paume droite en avant. Bien. Yes. Presque. On va prendre ça. Il manque quelque chose. Ouais, j'ai déjà vu ça. Ça ne va pas. Le bon. Du tout. Ah non, c'est des points comme ça. Non, c'est celui-là du coup. Voilà. Voilà, parfait. Bingo. Norman Osborn. Qu'est-ce que c'est? Le souffle du diable. C'est quoi ça? Mais qu'est-ce que... Excusez-moi, monsieur. Non, vous ne pouvez pas. J'aime pas ça. Où est la statue? Ici. Ok. J'allais rejoindre la sortie, quand je t'ai vu. T'as de la chance d'être en vie. C'est pas moi qui t'ai sauvé il y a 5 minutes. Écoute, je sais pas qui sont ces types, mais ils veulent ce dossier. Et je peux pas le sortir d'ici tant qu'ils occupent le bâtiment. Bon, ok, retourne te cacher là. Je m'occupe des méchants et tu fonces quand la voie est libre. Ça me va. C'est bon de te revoir. Ouais, toi aussi. Mais c'est pas comme ça que j'avais imaginé nos retrouvailles. C'est drôle. C'est exactement comme ça que je l'imaginais. Lol. Est-ce que... Elle a changé de parfum? C'est pas le moment, Peter. D'air. Oui, d'accord. Ok. Ouais, je devrais m'occuper de cela avant de continuer. Ici sont dangereux apparemment. C'est bon Peter, je suis caché vers l'avant. Donne le signal et je fonce vers la sortie. Ça marche. C'est quoi ce dossier? Qu'est-ce qu'il contient que ces types veulent à ce point? Des notes sur le souffle du diable. Projet pour lequel on a demandé à Fisk de construire un laboratoire secret. Quelle que soit cette invention, Fisk en avait peur, on dirait. Il la compare à une boîte de Pandore. Il en faut pour effrayer Fisk. On va vous faire sortir d'ici le dossier, toi. Attends-moi. Allez. Et voilà. Là, déjà ça te fait. Bon, la salle est sûre. Merde. Non. Bah putain. Lâche-moi.
sérieusement, c'est... comment ça se fait que j'ai perdu là? Le truc qui t'a marqué sans danger et le truc qui l'a repéré. Tu te fous de ma gueule le jeu. Putain. Non mais c'est une débilité ce jeu. Ah non mais quand je fais ça le truc il fait de la merde, c'est pas ma faute là. Débile. Ah voilà. Non, mais t'es sérieux? Mais putain, mais je suis retourné. Ah, ah vas-y, casse les couilles le jeu. Il se retourne au pire moment. Putain. Vitra sur mon cul, oui. C'est de la merde. Putain, mais je suis le seul gogol à perdre sur ce truc là. Parce que le jeu fait n'importe quoi. Ah ah. Ah c'est marrant hein. Ah, c'est un truc là aussi, d'accord. Merci. Ah quand même. Ah c'est d'une débilité ce truc. Allez, fais le carré. Voilà. Ah bordel. Sans danger, voilà, c'est bon. Ah quand même. Non, lâche-moi. Angie. Ah. Ah bah là maintenant il est plus discret à ce que je vois. Salut. C'est pas bien de prendre des otages les gars. Wow. C'est quoi ce machin qui brille sur vos mains? Mais vous êtes des fantômes? J'ai jamais affronté de fantômes moi. Ah ah. Bang, dégage. Pouf, dégage. Ah. Le cardio, c'est fait. Ça a l'air ancien. Je connais peut-être quelqu'un qui pourrait retrouver d'où ça vient. Je verrai ça plus tard. Je viens de parler à Craig. Vous n'êtes pas la journaliste qui l'a envoyé. Vous n'êtes même pas une de ses employées. J'ai jamais dit que je l'étais. Mary Jane Watson, Daily Bugle. Je vous interdis de raconter un seul mot de ce qui vient de alors se passer. Alors, que savez-vous sur le fichier que les hommes masqués ont volé? Ça, je n'en sais rien. Et qu'en est-il des objets volés que Fisk a blanchis dans cette salle d'enchères pendant des années? Votre rédacteur en chef aura des nouvelles de notre avocat. Chez Mick? Comme si rien ne s'était passé depuis 6 mois. Lol.
Depuis quand Mick est devenu italien? Aucune idée, mais je suis content qu'il fasse encore ses fameuses frites. Tu m'étonnes, les meilleures de la ville. Alors, comment ça se passe au Bugle? Eh ben... En fait, Robbie vient de m'envoyer un texto tout en majuscule à propos de mon exploit d'aujourd'hui. Je crois que je vais avoir affaire au service légal. Encore. Ah, une fois qu'il aura lu ton article, c'est la promotion assurée. Sinon, tous ces affreux masqués, t'en penses quoi? Rien d'extraordinaire. Et toi, à ton avis? Je crois que cette affaire va plus loin qu'on le pense. Mais arrêtons de parler boulot pour l'instant. Comment ça va pour toi? Tu l'as eu finalement cette promotion? Non, mais on est sur le point de faire une très grosse avancée. Tu sais que tu pourrais facilement bosser chez Oscorp. Un coup de fil à Harry et... Ouais, mais les recherches du docteur Octavius aideront des tas de gens. C'est exactement ce que je veux faire, c'est ce que je dois faire. On dirait presque que c'est plus important que ton autre job. Je t'avais jamais entendu parler comme ça. Beaucoup de choses changent en 6 mois. Pourquoi tu m'as fait venir ici, Peter? Eh bien, pour un simple dîner entre amis. Des amis? C'est ce qu'on est pour toi? Oui, je veux dire, pourquoi pas, si c'est vraiment ce dont t'as envie. On a un sacré bagage, nous deux. Ouais, c'est pas faux, mais... Est-ce que c'est vraiment un problème? C'est vrai, les bagages peuvent aussi contenir des trucs bien, comme de l'argent, des clés et du baume à la framboise. Tu te rappelles pourquoi on a rompu? C'est une question piège, pas vrai? Sauvé par les sirènes. On se parle plus tard. Phil. Ça me fait très plaisir de vous revoir ensemble. Vous êtes toujours bien aimés tous les deux. Le fameux caméo. Évidemment, il est tout le temps là. MDR. Hey, c'est moi. Je viens de voir des unités sur la troisième. Oui, on dirait que ce bon vieux Hermann Schulz est de retour. Shocker? Il vient pas d'être libéré sur parole? Si, mais ça devait pas lui plaire. Pas de soucis, Hermann est un rigolo. Je l'aurais ramené sur Riker avant l'extinction des feux. Bien, alors on va pouvoir... Tête à tête avec mon ex que j'ai sauvé de criminels masqués, maintenant, je vais dérouiller un fou furieux qui commet des vols grâce à des ondes de choc. Un jour comme un autre dans la vie normale de Peter Parker. Nouvelle tenue. Ah non, c'est une nouvelle amélioration plutôt. Ah ouais, d'accord, et truc... Gadget, nouveau gadget, tiens donc. Spider drone, déploie sur un drone qui cherche les ennemis à proximité et leur envoie des charges d'énergie. Oh, pas mal ça en vrai. Ça, je peux pas faire plus. Et ça, je peux. Recharge plus rapidement le lance-toile. C'est abusé toute l'immigration qu'on peut faire là-dessus. Compétences, j'en ai encore un. Augmente la portée d'immigration en hauteur. La prise de toile assomme les ennemis touchés. Dégageant la zone autour de vous. Alors ça, attends, c'est quoi? Ah ouais, bah d'accord, et ça c'est quoi? Matonnet triangle pour arracher les armes légères telles que les pistolets et les matraques. Bon, bah ça je fais ça tout de suite. Mission, ok, et technique. Ouais, on s'en a pris. Ok. Bon, pour YouTube on va s'arrêter là pour l'instant pour le troisième épisode, qui a quand même à peu près 40 minutes déjà. Allez, sur ce en tout cas, j'espère que ce troisième épisode vous aura plu. Et plus tard pour d'autres vidéos. Bye bye.